Here we go! Press start to play! Salut à tous, c'est JJ, bienvenue sur MatCity, on se retrouve pour un nouvel épisode du Workfood à Assassin's Creed. Je l'ai conseillé par Peggy pour les moins de 18 ans, donc on se retrouve sur la version PS3. Donc désolé, je parle un petit peu doucement, parce qu'il est très tard, au moment où j'enregistre cet épisode, il est très tard. J'en profite pour l'instant, je suis encore tout seul, donc pour ça, il est très tard. Donc, excusez-moi, je prends un peu de chewing-gum, j'ai mis des jouets avec des chewing-gum. Mais désolé, je sais pas si sur la vidéo, on va m'entendre très bien. Donc je reprends là où ça a été arrêté la dernière vidéo, c'est-à-dire faire d'abord tous les points d'observation. Mais en même temps faire les secours secourir les citoyens, voilà, je crois que non. Bon, bien sûr, c'est sur ma route en plus. Encore mille excuses si je dois parler tout bas. Voir si mon dernier machin, je suis là. Mais j'aime bien les chewing-gum, donc. J'ai dit doucement, donc c'est pour ça. Je te ferai trancher la main. Hop là. Allez, tu vas attaquer. Hop, vite, on choisit une autre cible. Attends. Je suppose que je dois vous remercier. Même si vous m'en venez toute seule. La prochaine fois, tu te démerderas. Hein. Ah, le con. Allez, c'est parti. On va continuer par la salle. Déjà, j'ai cru que c'était un Templier. Faut que j'arrête de les voir là. Non, il n'y en a pas. Donc je sais ça, je vais être obligé de revenir pour le point d'observation, mais c'est pas grave. Bon, allez, on va passer par là parce que c'est juste derrière. Par contre, c'est ça, ça je peux faire. Oui, j'ai laissé éliminer deux personnes. On est poussant vers des échafaudages. Ouais.
Hein. Merci, mon garçon. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Lui, c'est chien, héros. Oui. D'accord. Voilà. Qui a ça? Montre-toi. Chunkers. Ça a marché. Continue, je dis pas grand chose. C'est vraiment assez silencieux. Je vais que ce pas en parler à mon mari. Bon, pour l'instant, j'ai rien d'autre à dire à ce que j'ai dit par rapport à d'habitude. Allez! Rien à faire ici. Va-t'en.
Ouf. Il y a un petit bug de son, mais je vais essayer de voir. Avant qu'il me repère. Ah ben non, c'est pas trop tôt. Il était bon. Voilà, tout, tout là-haut. Tout là-haut, tout là-haut. Allez, c'est parti pour une nouvelle escalade. Mais des fois il est comme ça, il est têtu. Ben, par exemple, il n'est pas hanté. Allez. Alors maintenant, il faut bien trouver le bon chemin. Vous en pensez, mais là c'est hauteur. J'ai la pétoche. J'aurai la pétoche. Allez, c'est parti prochain. Allez, c'est tourné à sous. Thank you.
cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai. Quoi ? Qui a fait ça ? Je veux savoir. Où es-tu, misérable ? Ouvre-toi, c'est là. De dire un truc, hein. Faut que j'arrête. Il est tellement planté, il est tellement de choses. Non, je ne les connais pas, mais ne me faites jamais ça chez vous, je ne précise. Faire ça chez vous. C'était risqué. Juste un escape. Pour les armes de nos ennemis. N'écoutez pas leurs mensonges. Elles ne vont abandonner. Elles les prennent de la force. Si vous craignez d'y être sensible, c'était pas très bien.
tout pour la commenter. Et je suis resté taillé. Oula. Non, tu sais comment ça se sentit. De monter les murs avec qui montent l'escalier. Il vient au fur et à mesure. Après, je pense que c'est comme ça aussi. Allez, je suis bon pour te remonter. Bon, c'est levé. Pourquoi on a une pierre, mais c'est pas grave.
Non, qu'est-ce que... je dois aller... Ah, il y a quelqu'un à son échec ici. Pourquoi il va se sauver à 47 mètres. Oh, pousse-toi. Là, je pense qu'on a eu droit à un petit bug de l'IA quand même. Parce que là. Parce que j'ai. Ah, merci. Je ne sais pas. Ou alors, c'est que je l'ai pas dans le coup. J'ai vu le mal dans les yeux. Je suis désolée de ne rien pouvoir vous offrir en échange de votre sacrifice. Mais soyez sûr que mes frères vous considéreront dorénavant comme un ami. Je vais avancer, moi. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore servi une seule fois des habitants comme protection. Je n'en ai pas eu besoin, donc je sais que j'en ai besoin, je sais aborder. Et donc j'en ai plus besoin en fait de la protection des gens, c'est quand j'ai assassiné une victime. Et, pas une victime, mais quand j'ai assassiné la personne que j'ai assassinée. Personne importante. C'est ça que j'ai plus besoin des citoyens pour me protéger. Sinon, j'ai toute la mission. Je me débrouille pas mal. C'est juste ici. Mais bon, je finis bien, ça casse un petit peu l'ambiance. Quoi. Ça casse pas l'ambiance, donc j'ai plus trop de boulot. Je crois qu'il commence à être un petit peu tard. Donc... C'est des logis quand même. Ok, il y a des logis juste en dessous. Arrêtez, je vous en prie. Tu as un problème? Attention. Puissance dégueulasse. Donc j'ai encore le téléphone, comme d'habitude. Je pourrais te tuer, même les yeux fermés. C'est trop facile. Bah essaye de fermer, bon. Je prends ma peau et je prends le prochain truc. Est-ce que je dois vous remercier? Même si vous m'en venir à vous toute seule. Je me demande pourquoi je me décarcasse à les sauver, hein, vu les réponses qu'ils me donnent, franchement. J'aurais pu me débrouiller tout seul, hein. Tous les citoyens étaient secours, donc ça c'est bon. On va finir cette quête en X. Cette mission en X. Voilà, il y a marqué les copies sur les utilisées pour intercepter les salamandres qui vous poursuivent. Je vais un peu courant pour monter.
honte. Il finit loin. Allez, plus vite. Voilà. Je fais tout le bruit. Bah allez, c'est parti. On va prendre ça, il va falloir être juste là. C'est encore bien galéré. Hein. Je vais descendre. Merci. Bon, je crois que ça doit être les assassinats. Oh, tous les dieux, ne me fais pas! Oh, c'est toi, Adair. Tu m'as fait peur. Quelle façon de dire. Vois-tu, deux hommes de Richard en ont après moi. Nous étions en pleine négociation, mais j'ai vite compris qu'ils essayaient de m'escroquer. Alors, je me suis enfui. Toi, l'ange de la mort, prends leur vie avant qu'ils ne prennent la mienne. En échange, je t'expliquerai ce que je tentais de négocier avec eux. Alors, c'est parti, donc j'en ai deux à trouver, deux cibles, assassinées discrètement. Ça va être très, très, très chaud. Voilà, il y en a un qui est juste là. Mais je peux pas encore pour l'instant attaquer. Parce qu'on s'en est pas cassé. Non, ils sont pas là, il est pas là. Donc, on tire de ce côté vite fait. Voilà, l'autre est là. J'ai réussi le premier coup, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Télécharge pas encore l'informateur. Voilà, il est juste là. Quel soulagement, je suis en sécurité maintenant. Merci. Je croyais pas. Je tentais de convaincre les gardes de la citadelle de laisser les portes ouvertes, même si l'alerte était donnée. J'ai échoué. Pour t'enfuir de la citadelle de Richard, tu devras escalader les murs. Pardonne-moi. C'est pas le seul sur le plan. Parce que maintenant, on va sortir, c'est escalier. Pas de soucis, donc on va dérober. Est-ce
Alors, c'est bon, je vois. Est-ce raisonnable de se rallier à Guillaume? Il est âgé et il ne s'intéresse qu'à sa personne. Son armée est encore plus puissante que celle de Richard. Elle nous sera utile. Je m'en vais rendre visite aux autres frères, pour veiller à ce qu'il ne manque de rien. Surtout qu'il ne cède pas. Ne crains rien, le maître a tout prévu. Si la situation devient critique pour nous, il entend bien la faire tourner à son avantage. Quelles sont ses intentions? Il vaut mieux pour toi que tu n'en saches rien. Fais ce que l'on t'a dit de faire. Apporter cette lettre à notre maître. Alors c'est parti pour mission de l'île de Rommage. Voilà. Et voilà. Comme d'habitude, je me suis fait oublier un scénario ici. Ben remarquez, non, je vais pas le faire là, je vais mettre en pause, je vous dirai, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo du Barfou, donc de SNK, pour le test. Donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Sur ce, regardez toutes nos vidéos sur notre page Dailymotion ou notre site dont le lien sera dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis, je vous ai bien des jeux vidéo, faites-vous plaisir. Et bye bye, à plus, et à vous les studios. Ciao.